Et bonjour internotatrice et internotateur, ici Galden pour les clans du Cygne, sur Total War Warhammer 3 avec Eternel. On fait un petit point Salut tout le au monde. début de chaque épisode. Donc Eternel progresse copieusement. Il a découvert donc Dans Nagus les elfes. de chez les elfes. Voilà, il progresse dans les elfes, c'est dégueulasse. C'est pas lui, c'est plus chez, c'est dedans. Voilà. Donc il a découvert Nagazizar. Quel est mon objectif? Et son objectif de vie, mais c'est quoi? C'est juste la ville ou c'est la province? Il me semble que c'est juste la ville. Oh putain, niveau 5! Ah ouais, d'accord. Ah non, c'est niveau. Ça Aïe! va pas se faire, ça va pas se faire comme ça. Control the following settlement. D'accord, donc c'est juste Voilà. Nagalidar, donc Nagash, il s'en fout. Et voilà, les elfes se font défoncer, il leur reste de toute façon que deux. Il reste que les deux là. Il leur reste normalement plus que ces deux-là, ouais. Mais qui sont des trucs niveau 3 avec garnison niveau 3. Donc, qu'ils ont donné des combats. Ah ouais, garnison niveau 3. Un peu corsé, ouais. Ah ouais. Les deux, hein. Les deux sont niveau 3 avec garnison niveau 3. Voilà, nous de notre côté. Donc avec de l'aigle, de l'artillerie. Bon, je récupère plein de disciples, je sais pas pourquoi. Rébellion imminente, ça faisait longtemps. Contrat morse reçu, ça tombe bien, j'aimerais bien booster un peu ma réputation auprès d'eux. Parce que mine de rien, le coût de recrutement de moins 50% pour les guerriers des clans et les vermines de choc, c'est plutôt sympathique. Ah bah oui, quand tu pourras commencer à avoir des vernis de choc, ça va commencer de bien. Et ben, ouais, du coup c'est lui. Dommage. Et c'est contre. Attends. Vais perdre contre Pestilence. Est-ce que j'ai des catapultes à recruter? Non. Non. Donc. Juste que tu évites de les perdre du coup. Oui. Ils sont un peu plus chers à recruter. Ouais, ça y est, j'ai plus de sous. Oh putain, ça fait bien remonter d'un coup, hein, la vache. De quoi? Ah bah Le. le truc c'est que plus les contrats sont élevés, plus le gain et la perte sont élevés aussi. Donc du coup, bah, c'est con parce qu'il se retrouve de nouveau avec 19. Il en faut une quantité des assassins en fait. Pouh. Ah oui, non, c'est... Moi je tournais avec une rotation, je crois, de 5 ou 6 sur la fin. Ouais. C'est... Pour te Bah, déplacer. pour être tout le temps en train de faire des C'est contrats et pas ça. avoir de ressources perdues, quoi. Bon, Ça c'est bien, c'est plutôt mes tours à moi, ils sont sympathique. rapides en ce moment. Oui, alors c'est Enfeeble Defense, qu'est-ce que c'était? Je crois que je l'ai sur un autre, le Enfeeble Defense. Partie des trucs. C'est là que je suis content d'être immunisé aux pestes, parce que du coup je suis immunisé aux pestes Skaven aussi. Ah bah oui, tu m'étonnes. Et ça c'est bien. Par contre, je suis immunisé qu'à l'attrition des pestes. C'est bizarre. C'est quoi ça? Non, je l'ai plus là. Donc, je vais quand même recruter. Technomage, il fait quoi? Il fait augmenter la mobilité. Mais de toute façon, je peux pas en recruter. Donc, c'est vite vu. Putain, je recrute directement niveau 7 mes assassins. La vache! Bah, et bienvenue chez les Chines, hein. La vache! Et ben, go. On va pas s'en priver. Hop. Et je vais également me recruter un chef. Alors, ça fait quoi? Enfeeble Defense, Enfeeble Attack, du coup. Qu'est-ce que ça? Enfeeble Defense. Oh, sympathique. Moins 6 de défense en mêlée en permanent à 40 mètres. C'est cool, ça. On comprend. Et une fibre à l'attaque, du coup, j'imagine que c'est la même chose, mais Oui, pour l'attaque. pour l'attaque.
Ah bah, de toute façon, c'est que du bonheur, ça. Allez, bib. Hop. Pim. Ok. Donc, ensuite. Ici. Je crois que je vais m'en débarrasser. Là, je vais vraiment faire une arme avec que des esclaves. Et une catapulte. Ça va me faire faire des économies. Ils sont quoi? Ils sont à 100, ouais, quand même sans cesse de recrutement d'entretien. Paf. Hop. Ah, comment ça se fait? Je viens de perdre quasiment 1600 de revenus 4, 5, là. 6. Par rapport au tour précédent. Hop. Alors, on en est au niveau instabilité. Ouais, 42, ça va. Là. 61, ça va. 68, là, du coup. Ça passe, bon, ça va. Ça devrait J'ai besoin d'une place de plus, puisque je vais mettre. Hop. Hop. Je vais te mettre là. Tac. Et on recommence. Tac, tac. Voilà. Ça va pas se faire tout seul, Nagajiza. Ouais. Rien que l'armée qu'il y a devant, deux rats ogres mutants, une abomination, trois mortiers. Alors, Snitch. Hop. Du coup, il manque toujours une unité, c'est un peu con. Attends, je vais mettre le... Je vais mettre l'assassin. Allez. Victoire décisive. Ah, c'est une embuscade. Oh, c'est presque con. Bon. Check. Perdre zéro, ouf. C'est presque con. Victoire à la Pyrrhus, sans perte. Wouhou! Ça y est, tu progresses. Putain, je prends un peu cher, mais... Ma joie de finir tes tours en 2 minutes au lieu de 1 minute. Et niveau 3, non, niveau 2, hop. Bim. Hop. Ah, tireur de Jezai et Rogre. Très bien. Là, j'ai besoin d'autorité, baisse de corruption. Oh putain, ils se foutent de ma gueule, j'ai un autre... J'ai un autre clan ogre qui est venu se poser, qui est venu me poser un camp chez moi. Ah merde. Ouais, c'est pour ça du coup. Je perds un peu plus en raiding. Ah oui. Et je suis à moins 20 d'autorité à cause du raiding. Youpi! Allez, plus rapidement. C'est pas comme si j'avais déjà des soucis. J'ai 2 bâtiments de contrôle. 3 bâtiments de contrôle. Il est fort en quoi? Attaque, ça va. Hop. En pomme. On va booster sa défense. Alors, ah, j'aurais dû essayer, parce que maintenant j'ai un sorcier chine. Que je vois un peu ce que ça vaut. Armure des ténèbres, qui est plutôt sympatoche. Et toi, je booste ton spécialité. Et même ça. Hop. Nickel. Amélioration de bâtiment. Hop. Réparer. Et de toute façon, ça va péter au prochain tour. Donc, collectons les revenus tant qu'à faire. Bon, ça va. Normalement, je vais pouvoir me défendre et faire revenir. L'autre zouave. Allez, c'est niveau 3.
Rébellion imminente, je suis au courant. Ah, j'ai deux rébellions là qui ont tombé, putain. Événement moins 8. J'ai. Ça me saoule. Là, je cherche le. Je cherche son arche, mais avec un héros, mais je ne peux l'avoir. Non, mais à mon avis. C'est quand même un beau bug. Allez, tant pis. Est-ce que. Mission alliée? Non. Diplomatie. Plan rictus du commerce. Oui. J'ai besoin de sous. Ça commence à aller un peu mieux. Hop. Voilà. Amélioration de bâtiment possible. Qu'est-ce que je peux faire ici? Rien, parce que j'ai pas de sous. Enfin, après, l'autre option, effectivement, c'est de laisser péter les rébellions, enfin de laisser faire les rébellions et de les défoncer pour gagner 10 sous. Ouais, c'est. C'est aussi une méthode. Je fais la croissance. Allez, fin de tour. De toute façon, il va sans doute falloir que je recrute une armée. Ah merde, je me suis pas occupé de développer mon Ta cité mes souterraine. villes souterraines. Elle est excellente. Toute façon, là, normalement, j'ai deux rébellions qui pètent, quoi. Oh. Bon, je suis j'ai l'impression qu'il est quand même nettement moins fort que moi, le. L'orque, donc Oui, non, mais de toute façon, c'est une faction mineure qui est jamais très très forte. du coup, il me déclarera peut-être pas la guerre tout de suite. Voire peut-être même Je pas la guerre du tout. vois un Katei jaune qui débarque. Bah, et en même temps, il savait que ça allait finir par arriver. Rébellion. Hop, une rébellion, deux. Bon, et ben, Comme la il même. m'assiégeait cash, putain, il va m'assiéger cash, le seul. Putain, pourtant il y a vraiment zéro unité quoi. N'importe Le quoi. problème, c'est qu'il m'a eu le temps de revenir. Fais chier. Ah. Il n'est toujours que niveau 12. Toujours pas sur dragon. Là, tes deux armées. Je vais amener la deuxième. Hop. Toi, tu prends ça. Toi, tu prends ça. Et toi, ça. Destroy Le them. truc, c'est que là, il n'y a pas de mur, par contre. C'est Greatest du mineur. dragon prince. Listen to Alors, toi, tu récupères tes deux Allez. héros. Ah, zut. Call me Death Master. Pardon, tu voulais faire Non, quelque non, vas-y, chose? vas-y, vas-y. Bah. Allez. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Hein. Ah, Défaite pour une fois que je l'ai. valeureuse. Donc là, on va. C'est une bataille de ville quand même. Là, sans mur. Oui, sans mur, Mais bataille de ville. mais une bataille de ville quand même. Donc avec des tours, avec Avec des tours. des pièges et tout. Et il a une garnison sympathique tout de même. Bah oui, je dis, c'est garnison niveau 3. Hein. C'est ville niveau 3 avec bâtiment de garnison niveau 3. Ah, mes belles catapultes de la peste. Alors, l'avantage, ouais, non, c'est baliste.
Ouh. C'est quoi cette île? J'ai jamais vu ce plan-là. Oui, c'est ce C'est... que j'étais en train de me dire. Ah, si, si. Je pense que si, mais je le vois sur. J'ai souvenir de l'avoir déjà joué, mais plutôt au chaos, dans les Là, comme zones ça, je le vois. chaotiques, je Là, pense. comme ça, je le vois pas, mais Si, si, si. on y viendra. Bah, gère. Tu fais quoi? Tu veux attaquer de tous les côtés ou. Bah, le truc, c'est qu'on est quand même nettement plus nombreux, donc il faut qu'on essaye de jouer là-dessus, hein. Le truc, c'est que si on essaye de tous se masser au même endroit, avec la masse qu'il y a, ça va Ouais. bouchonner. Donc, Bah, dans ce cas-là, à la limite, tu te déploies côté sud et est. et je te Et file puis des tu me renforts. fileras les renforts quand ils Je arriveront. sais pas si je vais avoir beaucoup de place pour me déployer à l'est, mais Je sais pas non plus. c'est très sombre. Ouais, oui. C'est très très sombre, mais j'y vois carrément pas grand-chose là. Suite à la place. Oui, la question c'est aussi, il y a des passages. Avec l'avant-garde, ça va. Ouais. Ouais. je peux mettre devant le mur. bien, 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 bien. Bon, sinon, tu t'attaques au nord, hein. Moi, à la limite, de toute façon, j'arriverai par l'ouest. Ouais, je vais peut-être plutôt faire ça en Ouais. fait. J'ai l'impression qu'il y a quand même plus de passages. Les passages sont plus larges en tout cas. Bah, prévois quand même quelques unités pour essayer d'aller caper les. Oui, mais je vais garder. Je sais pas trop quoi, mais si, genre une boule des cryptes. Le problème, c'est que j'ai rien qui peut fufu là, donc. Ça fait pas très ville elfe. Franchement, ça fait très ville Non, mais en même temps, naine. c'est pas trop un coin elfe, hein, normalement. Ça fait très ville naine, je trouve, Ils avec les sont un peu exilés, fourneaux. Calédor. Ouais. Avec les Alors, fourneaux, du là. coup, je vais mettre quoi? Je vais garder ça ici. Sinon, tant qu'il n'y a pas les renforts, tu me files quelques unités pour gérer. Gérer quelques prises de points et puis. Bah, et au pire, tiens, je te file ça. Pour prendre où, du coup. Bah, là où ils sont à peu près, mais. Alors, ceci étant, les squelettes, c'est pas indispensable parce que je pensais que c'était plus rapide que ça. Donc, éventuellement, tu peux m'en jouer, je vais te reprendre les squelettes. Ok. Pour reprendre où tu le sens. Alors, je vais mettre les deux fufus tout à l'est. Essayer de, puisqu'il y a deux points qui sont pas très très éloignés l'un de l'autre. Ah, celui-ci, hein, s'il y a du monde, tu te casses, hein, parce que j'y tiens à ces unités. Enfin, au moins aux horreurs. Ah oui, sauf qu'attends, le point du bas, je peux pas y accéder comme ça. Il faut que je fasse par là. Tiens, du coup, je te filme même le héros, qui est une de mes unités rapides avec. Ok, et les horreurs des cryptes et le héros, je vais les mettre tout au sud. Ouais, tout au sud, histoire de prendre le point au sud. Normalement, j'en gère 3. Je vais essayer de gérer le quatrième et d'engluer. Je vais me diviser pour en foutre un peu partout. Il te reste ouais, les guerriers squelettes, du coup, à récupérer. Alors du coup, on va mettre un Là, mortis pardon. et Bellfire ici. Toi. Toi, ici, mon écrouement, il va aller. Alors, le problème, c'est qu'il y a des aigles. Il a deux aigles et que Non, je mais... n'ai qu'une seule chauve-souris. Ouais. Je pense que les chauves-souris n'ont pas trop leur chance, mais... Non, mais si elle peut juste retenir pour éviter que je me fasse trop défoncer mes catapultes, ça Ouais. m'arrangerait. J'ai rien laissé au fond là-bas, c'est Non, bon? c'est bon. Bon, et eh bien, allons-y. Alors. Oula! Et c'est toi qui as le plus gros là où il y a les horreurs décryptées, le héros. Et bah à la limite, dans ce cas-là, j'attaque pas, je reste en Ah non, arrière. je te confirme que t'attaques pas. C'est juste qu'il y a Aymeric.
et Emeric aussi. Bah, alors, si Emeric vient, par contre, fais-toi plaisir. Je vais me reculer un peu. Il a pas de tour. Je n'en... Non, il y en a une en construction en plein milieu, une tour niveau 1. Si t'en as une de ton niveau, de ton côté niveau 4. Ouais, je vais me reculer histoire qu'elle puisse pas me toucher. Et les aigles sont de ton côté aussi. Ok. Donc, ouais, je peux si tu vas vraiment, tu risques d'en prendre. Non, mais je vais reculer. Hein. Je vais pas chercher à. Ah non, mais oui. J'ai compris que cela, il fallait pas les casser. Voilà. Vraiment, j'y tiens. Donc là, j'ai un lion blanc et un peu de troupaille de ce côté-là. Ok. Et au centre, il a ses balistes, d'accord. Oui, ça, logique. Je pourrais leur tomber dessus, limite avec les spectres. J'ai pas trop par où ils vont passer, en fait. Sinon, je vais au centre avec eux. Non, je vais peut-être aller sur les... Avec les spectres, je vais peut-être aller sur les... Ah, mais c'est pas rapide, en fait, les spectres. Ça a que 42 de vitesse. J'ai pas vu 50 ? Non. 652, pardon. 52. Non, d'accord. C'est j'étais. Je survolais les balistes. C'est pas fou, ouais. Mais ça va plus vite que son infanterie à lui, normalement. Ouais. Voilà. J'ai essayé ce qui est l'essentiel. Ok. C'est bon ? C'est bon. Du okay. coup, je vais pas prendre le point. Non, mais tout c'est pas très grave. Hein. Je vais vers la place centrale. T'as déjà draw une bonne partie de son armée. Évidemment, c'est mon Mortis Engine qui se focus. Sans déconner, même pas original. J'aime pas trop les aigles. Qui pourraient... Ah, mais ça, t'façon, les aigles, tu vas les prendre. Ils pourraient venir. Non, mais c'est sur les ghouls, en fait. Je crains un peu pour les ghouls. Ah putain, il m'a construit une tour aussi de mon côté. Chut. Putain, je prends cher de ces archers là. Les renforts sont arrivés. Putain, ils arrivent vite. Bah, j'étais vraiment à côté. Bon, il amène les aigles. Oui, sans déconner. Non, mais vers toi, à la limite, je préfère. Oui. Alors. Bon. Là, il a son héros, il a Imric. Bah, je rebalance les horreurs des cryptes et le seigneur. Je vais les envoyer. Oui, je vois qu'il est en train de se barrer. Donc, si t'arrives à choper Imric, ça peut être pas mal. Hein. Non, parce que il va vers les ghouls. C'est un peu ce que je craignais. D'accord. Du coup, eux, ils capturent. Ah, tu m'as donné des zombies. Je t'ai donné tout ce qui vient d'arriver, ou à part le. Non, il y en a qui étaient déjà au contact. Je te les rends. Ah bon ? Oui. Ah oui, je t'avais peut-être donné un. Quand je t'ai fait pour ton envoyé qui était déjà au contact. Bah, je sais pas. Ah oui, non, c'est parce que c'est des invoques. C'est pour ça. Alors. Ça doit être bon. Noyons. Tiens, je te filme le nécromant avec. Attends. Oui. Oui, c'est ça. Tiens. Hop. Je garde juste le strigoï parce que je vais en avoir besoin pour forcer de mon côté. Hop. Alors, où est-ce que vous allez aller, vous? Je sais pas trop. Pour l'instant, ici. Par là. Et vous? Tu me dis quand c'est bon. Par là. Tiens, nécromant. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu.
Ok, c'est bon. Ah, il est full life là, t'évites de me le recasser. Il aura peut-être pas de la chance deux fois, tu veux dire? C'est ça. Bon, j'ai une baliste que j'ai chopée. Ouais, là, il fonce sur mon écrement avec ses aigles. Le mien ou le tien? Ah non, il a foncé sur mon Mortis Engine. Oui, c'est ça, en fait, il fonce sur mes corps, sur mes cartes. Oh, j'ai Imric. Tu fais pitié, Imric. Non, il repart vers toi. Très bien. Bon, zone bâtiment capturé. Bon, vous en sortez où? Pas terrible, c'est pas hyper efficace, mais ça attire son monde. Ah, les renforts sont arrivés. Oui, il en reste encore un peu. Y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Tu l'as déjà faite, celle-là. Oui, je sais. Mais ça marche toujours, donc. Ou pas. Oui, ça marchait peut-être déjà pas au début, effectivement. Bon, le problème, c'est que d'avoir autant de monde, en fait, le problème, c'est que les barres sont toutes petites. Et des fois, j'ai un peu de mal à suivre. Ouais. Ce qui prend ou pas. Bâtiment détruit. Voilà. Oh putain, encore. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de tous ces zombies là? Oh merde! Magie. Qu'est-ce que t'as raté? Pause. Où est-ce qu'ils sont? Ils vont prendre C'est quoi qui est cher en train là. de te faire défoncer? C'est les. Firitoast? L'unité, ouais, les Spirit Host là. Il y a Imric dessus en fait. Toutes leurs âmes. Hein. Je vais les reculer. Alors, pour ce temps, j'ai pas l'impression qu'il y ait de dégâts magiques. Ouais, mais bon, je vais quand même les reculer. C'est déjà Ça ça. s'est capturé, du coup, je vais péter sa tour avec. Très bien. Hop. C'est bon, tu peux relancer. Il a pris cher, Hellman. Le Mortis Engine est nouveau full. Bon, les goulons attrapaient les archers, très bien. Ici c'est capturé. Ah non, putain, la tour, ça l'a pas fait, ça l'a pas fait tomber. On avait dit que vous deviez vous barrer. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que quand j'essaie d'attraper ces archers squelettes, j'y arrive pas. Par contre, lui, quand il veut attraper, Il n'a pas d'achat sur lui normalement, mais. non, mais ces archers, enfin, il n'y arrive pas. Tandis que moi, mes unités qui ont plus de vitesse que les siennes, il arrive à les rattraper, quoi. C'est formidable. Classique. Oh putain, ils prennent cher. Et elles aiment pas trop le tir, toutes ces unités-là. Bon, j'ai reculé. J'ai pas assez pour pouvoir faire quoi que ce soit. Bon, on en est où là? Ça tient, ouais, ça a l'air de tenir à peu près. Le patron, il a dit qu'il fallait pas casser cela. Putain, là encore, ils se font rattraper. Fais chier. Bon, j'ai Imric qui colle, mais Spirit Host. Spirit, ouais, c'est ça. Bon, pour l'instant, ils ont la tenir à peu près, hein. Ouais, il marque que c'est en défaite, mais. Bah, disons que c'est un lord, donc. Putain. Je suis en train de me faire défoncer Hellman là. Là, il m'amène son héros. Faut que
je sortais le manche, il est en train de se faire défoncer là. Les renforts arrivent lentement mais sûrement, mais... Hellman, il est en train de prendre très cher, là. Oh, putain. Il s'est fait défoncer. Oh. Carrément. Wow. Ah oui, il s'est fait pourrir par ses archers, quoi. Les gardes... les gate guards, là, ils me l'ont, mais cloué. Oh. Oh, de Dieu. Je suis en train de me faire défoncer tous mes chariots, quoi. Ouais, c'est des grosses cibles. Problème. T'es en train de me choper tous mes chariots les uns après les autres, quoi. À part le Mortis Engine, là j'ai un Holy Lonestone qui est en train de se faire focus aussi. Oh merde, j'avais pas spécialement prévu de me faire défoncer Hellman. Bon, le 8ème, bon, ça sert plus à grand chose. Eh, laisse-moi deviner, il m'a envoyé du monde sur ma catapulte, non? Ah non, c'est des archers, d'accord. Une troupe d'archers qui a récup et qui est en train de s'occuper de mes arbres, de mes catapultes par derrière, pas de problème. Oh mais non, putain. C'est chaud, j'arrive pas à prendre la place centrale. Je suis englué là. Putain. Alors d'accord, là ces balises là ont lâché. Qu'est-ce qu'ils disent eux? Mais cloué, c'est du délire, quoi. Je suis en train de perdre toutes mes cartes à part le Mortis Engine, quoi. Aïe. Alors, c'est pas très grave, l'essentiel c'est le Mortis Engine, mais quand même, quoi. Bon, Imric, c'est du draw. Moi, je le cloue. Je fais pas grand chose, mais je le cloue. Bah c'est ça, mais le truc c'est que comme c'est éthéré et régène, les spiritosts, si lui il a pas de dégâts magiques ou de dégâts enflammés ou des il trucs a, dans le il genre... Il a du dégâts enflammés. Bah je le voyais pas tout à l'heure sur ça. Bah régulièrement je vois le petit icône... D'accord, bon. Dégâts enflammés sur eux, donc... Bon, j'aurais perdu mes deux cartes. Hein. Yes, awake minions. Now. Il y a toute une zone là, moi j'ai du mal à... où j'ai pris un peu cher là. Bon, ce côté-ci c'est en train de finir de s'enfoncer. Les patrouilles aériennes, je commence à les terminer. Bah donc heureusement que toi tu t'enfonces de ton côté parce que... Moi j'ai pris cher du mien. Ah les ghouls font bien leur taf. Moi je sais, c'est vraiment de la bonne troupe les ghouls. Il est attaque empoisonné, rapide, ça a quand même des plutôt bonnes stats. Donc non, ça fait globalement un bon travail les ghouls. Bon, maintenant que c'est fini là, on va avancer un peu. Il n'y a plus de magie. Alors paquez-vous bien là pour les catapultes, ce sera pas mal. Bon, c'est que du zombie, moi je m'en fous de faire du friendly fire là-dessus. Donc, Ah bon c'est bon, eux ils ont fini par lâcher. Ah merde, il y a un grand tech qui a dit. Okay. Ouais t'as des aigles par contre sur les ghouls. Ouais. Il
Alors on va éviter de répéter la même erreur avec le Mortis Engine par contre. Je sais pas trop pourquoi il le laisse là, Henrik. Pourquoi est-ce que toi t'es... Mais pourquoi t'attends? Bon bah le nécromant est re en train de mourir. Là il se fait focus par les flèches. Oui, mais c'est ça, mais c'est ces archers qui, Non mais qui ont massacré, qui ont massacré toute mon armée. C'est un piéton, il est au milieu des zombies quoi. C'est juste n'importe quoi. Hein. 54 PV, 40. Ouais bah c'est mort. De toute façon il va crever et après la question c'est est-ce oh, qu'il reste putain. Ou pas. C'est nimp. Les ghouls vont y passer aussi. Je vais. Elles se sont bien émerdées pendant un temps, mais là. Donc j'arrive à le choper dans le dos. Ah non, c'est bon, je vais arriver à aller sauver les ghouls. C'est vraiment du match nul avec Imric. Hein. Mais c'est où? Je vois même pas où ça se passe en fait. C'est tout à l'est. Il est ah d'accord, à l'autre sous... bout de la carte, ok. Bah le truc c'est qu'il va y venir un moment où ils vont tomber en limite de régène les Spiritost. Donc allez, défoncez-moi ces ailes, éventuellement là. si les ghouls décryptent, tu peux envoyer les ghouls décryptent ou le héros. Moi je vais y envoyer le Strigoi je pense. Écoute, pour l'instant. J'aurais eu la carte. Oh putain. Hop. Ah, il lui reste encore une baliste. Bon. Ça, c'est fait. Ouais, trop de zombies. Les ghouls, non. Allez. T'avais réussi à les sauver, tu vas les perdre finalement. Ouais. Elles se font focus par les archers. Elles ont pris cher. Hein. J'ai essayé de les sortir à moins 30. Elles sont à 149 kills. Moins 30. Moins 31 de dégâts subis, moins 85. Yeah. Je vais essayer de les sortir complètement de la mêlée. Allez, on va essayer d'aller prendre la place centrale. Hop. J'espère que je vais avoir du Rise Dead là parce que... Je vais prendre la passe centrale. En fou. Ok. Aïe. Déjà, ça va lui péter son... Ça va lui faire mal au moral. Hein. Sa tour. Qui à mon avis était assez désagréable. C'est en train de lâcher de mon côté. J'envoie le Strigoi sur Imric. Ok. Qui nous full, qui est toujours full life lui aussi. Ça. Ouais. Il va se manger un Strigoi plus un plus 3 buveurs d'esprit sur la gueule. Oh putain, garde des portes contre 4 ah, quatre unités de zombies. Les des portes, hein. Contre 4 unités de zombies. C'est eux qui m'ont défoncé. Elman en à peine quelques salles. Là, il a un héros qui va y passer aussi.
Bah là, bizarrement, Emmerich il descend déjà vachement plus vite. Et ça fuit. Ça lâche. Ah bah cette fois-ci c'est bien, enfin, si Hellman avait survécu, il aurait chopé le... Ah ouais, merde. Le buff pour Emmerich. Bah il a peut-être survécu, hein. Ouais. On sait jamais, avec un peu de chance. 192 Mortis Engine. Ah ouais, tu perds quand même... Bah c'est mes trois chariots. Ouais. J'aurais dû me concentrer sur un seul flanc plutôt que d'essayer d'en faire deux en même Ouais, temps. 149, les ghouls ont bien fait Ah le non, taf. c'est une super unité. Presque plus efficace. Bah, c'est pas le même rôle que les horreurs des cryptes. Mais Oui, c'est pas le même rôle. ça massacre beaucoup plus l'infanterie. Bah, c'est en même temps, oui, les horreurs de la crypte, c'est vraiment de l'anti-large. Là, il n'y avait quand même pas grand-chose. Mais... Ouais. Les horreurs des cryptes ont de la régène, ce que n'ont pas les ghouls. C'est le seul truc qui leur manque aux ghouls. Déjà suffisamment efficace. Complètement pété. Il y avait un peu de casse là. J'espère avoir un peu de reprise. Très pas mal. Ah, sur celle-là, c'est moi qui ai pas très bien joué. Ouf. Ah, chacun son tour. Chacun son tour. Survivra, survivra pas. Alors, oh on a putain. survécu Oh, cette chance. et j'ai un des corps qui a survécu aussi. Et Ah, par contre, les ghouls n'ont pas survécu. Les deux charrettes ont survécu, hein. Ah oui, les deux charrettes et la plupart de mes zombies. Et le nécromancien qui revient. Non, vous me tuerez pas. I'll be back. Et je pense que tu peux le renommer Terminator. C'est ça. Je vais peut-être bien le. À mon avis, il y a moyen. Je vais le renommer Schwarzy. Schwarzy von Drakenhof. Bien. Amis internotateurs et internotatrices, on vous fait des bisous, on vous dit au prochain épisode et à bientôt. Ciao, ciao. Bientôt, ciao.